السلام عليكم خاوتي، جيسبر سافا، راكم ملاح. بون، زدنا تلاقينا اليوم نزيدو نكملو لا سيري دو فيديو اللي رانا نديرو فيها كي كونسيرن كومون بيان بريباري سون اكزامان بي بي. واليوم راح نشوفو كلكو شوز دامبورتون فون ايرونوتيك دون فاسون جينيرال اي دون فاسون بلو بريسيز في ليكزامان بي بي. سي لي تور دو بيست، circuit pattern. Bon, les tours de piste, évidemment, je vous conseille d'abord la documentation, c'est bien expliqué, tout est expliqué. Bon, je vais expliquer vite fait. Là, on va dire que c'est la piste 27. On a rani sur la piste 27. Donc, les manœuvres à vue se font au nord de l'aéroport. Bon, c'est bon, les cartes, la note a dit, c'est bon, les cartes IAC. Les cartes VAC, bon, elles sont partiellement figurées, donc il n'y a pas trop d'informations. Donc, le circuit, ça consiste à faire un circuit. Voilà, qui m'a raconté vous faire. Donc, il y a plusieurs étapes. Maintenant, la première étape, c'est upwind, vent de face, ou là, la montée initiale ou la initial climb. Ensuite, c'est crosswind, ou la vent traversier. Alors, on a décollé face au vent, face à moi, donc upwind ou la vent face. On a le vent est de travers, donc vent traversier ou la crosswind. Ensuite, on a de l'étape, le vent rahiji moraya, donc ça sera downwind ou la vent arrière. Ensuite, on a de l'étape qui m'a dit, c'est l'étape de base, mais les vents sont traversiers dans crosswind. Et à la fin, c'est la finale. Donc c'est ça le tour de piste circuit pattern. Et l'altitude, donc on a qui m'a raconté 6000 pieds. Donc comme les vagues tawana, elles sont partielles. Quand l'altitude dans le circuit elle est publiée sur la carte, c'est 1000 pieds. Quand elle n'est pas publiée et elle est standard, c'est 1000 pieds plus 500 ou 1000 pieds. Donc standard de l'altitude tel le circuit tana, soit à 1500 soit à 2000 pieds, tout dépend de du terrain. Donc anaya rani 27 aljehouari boumkin. Bon, apparemment maranish le bon malish. Alors je vais me positionner piste 27. Donc qui m'a dit c'est pas publié, donc on a à 1500 pieds à GL évidemment. Bon, à Kakololi qui le circuit ou le tour de piste, c'est facile. Ok, c'est facile, oui, mais ce qui est important, par exemple, on dire 2, 3 ou la 4 ou la 5 tours de piste, faut que ça soit constant. Il y a le deuxième kif kif, le troisième haka, mais le premier haka, le deuxième njehna haka, le troisième je sais pas haka. Non, faut que ça soit constant. Ou kifesh, donc faut les repères. Donc en vrai, ça reste un VFR, donc il y a des repères visuels. Par exemple, il y a une route, ou là par exemple, il y a une, je sais pas, il y a un bâtiment, ou là un stade, ou là, donc un repère visuel. Je me repère les à chaque fois qu'on dort, il y a le repère, hop, le downwind, ou il y a un repère visuel. À chaque fois, il y a le repère visuel, on dort en étape de base. Bon, sur simulateur, je ne trouve les repères, c'est pas facile. Bon, quel lecteur il peut trouver avec quoi se repérer, mais quelle une méthode, bon, elle est un peu plus facile à nous réaliser. Il y a un truc, c'est le timing. Par exemple, je suis prêt, Bachendor, le virage 30 secondes. Je me repère à la fin de la piste, 30 secondes, on dort. Bach, le second tour de piste, 30 secondes on dort et ça sera constant. Donc ça reste de la théorie. On va essayer de l'appliquer et de bien l'appliquer.
Donc, on a toutes les questions de repère. Le premier repère avec lequel je vais me repérer, c'est Alpha Lima Romeo, puisque là, on est à Alger. Bon, j'ai capté le vol. Rendir la course à la piste 27, c'est 272. Bon, à 470, 71, 72. Ok, je vais régler le heading. Ok, l'altitude. Bon, 1500 pieds, elle est réglée. Donc, l'utilisation de l'autopilote, elle est permise, mais à condition que ça gêne pas le vol. Donc, les volets. Décollage. Comme on va utiliser le timing, donc le chrono en aéronautique, il est important, faut avoir un chrono. Ou donc tu fous les l'astuce, elle est là, c'est beau, vraiment facile pour faire de bons tours de piste. Bon, je mets les gaz, décollage. La vitesse de rotation TAE. Tacle park. Rotation. Voilà. Donc, je le trim. Pour les rentrer. Bon, nous comme ça. J'engage l'autopilote. Bon, je mets le simulateur en pause. Maintenant, j'engage l'autopilote à Hitlani à 1500 pieds avec un taux, une VS, vertical speed, un taux de montée de 700 pieds. Mais le heading, je l'active pas. Ben, j'ai Kindor. Il y en a avec les commandes, le manche ou là, le yoke. C'est moi qui va en aller à Hendowell l'appareil. Donc, là, on pose. Maintenant, l'année. En vent de façon upwind, en crosswind, en vent traversier. Donc c'est simple, soit 500 pieds, soit la fête à la piste. Donc on a à la couture presque 300 pieds. Donc il n'y a 500 pieds ou là la fête à la piste dort à 90 degrés, évidemment dort en crosswind, ensuite dort en downwind. Donc là où du comme soit 500 pieds, soit la fin de la piste. Et yani, je prends la première et dès le 500 pieds l'oula ou mazam le hack la fin de la piste ndor et dès mazam le hack 500 pieds ou le hack la fin de la piste ndor. Donc les 500 pieds t'es l'autopilote est activé, manque ça je rase. Donc zed ndir pause qui le hack 500 pieds, je vais activer le chronomètre TAE est 30 secondes. N'est 30 secondes, Bachin d'or en vent arrière. Bon, voilà 500 pieds, chrono. Et je commence le virage TAE. Et le virage, dernier mot, c'est comme déroule avec un taux de virage constant. J'ai par exemple 25 degrés, on va 10 degrés, on va de les amis qu'on constant. Ben, le tour, le circuit tana, ou le tour de piste tana, il compte constant. Voilà Cap Nord. Bon, le virage d'ailleurs, c'était un peu brutal. Bon, 30 secondes, c'est clé là. Bon, on dire 40 secondes comme repère. Voilà, 40 secondes, top chrono, je vire. On a je vire de 90 degrés. Donc, cap est. Alors, je vais être en parallèle à la piste. Voilà. Je corrige. Donc, on a le heading en relais. Au 0,92, je l'active. Voilà, on chauffe un blé rané en vent arrière, main droite, piste 27. Donc, on chauffe les high qui fâche d'ortanaya
Et on a 40 secondes. Donc le deuxième tour, une fois 500 pieds, qui dort, on a 40 secondes. Donc, est-ce que on a un coup de soi. Donc, on a un cap 0,92. On a un coup de soi. Donc, on a qui fait un dort en vente arrière, c'est 40 secondes. Donc, on a qui est le hack à la fin de la piste. Adin koulula abim. Abim ou j'mana un coup ndir un angle de 90 degrés qui m'a à la fin de la piste ou là par exemple un VOR ou là un DB ou là un repère visuel ou là. Donc, quelque chose, je suis abim de quelque chose, c'est ndir avec un angle de 90 degrés. Ana hnaya qui est le hack à la fin de la piste, on a 30 secondes pour ndor en étape de base. Donc là, on va l'appliquer. Évidemment, le chrono. Top chrono, 30 secondes. On a wish nbdandir. Je commence la descente à 500 pieds. يعني باش نكون en finale à 500 pieds. Voilà. Donc, on a, je désengage le heading. Donc, on a 30 secondes. Vous mettez une sèche le taux de virage tacon. Voilà, 30 secondes. Je vire. Je réduis les gaz. Donc, 90 degrés. À peu près c'est un cap sud. Voilà, faut contrôler la vitesse. Voilà, on est cap sud. Donc maintenant je chauffe, j'essaie de me repérer un peu. Maintenant faut que je commence à tourner. Voilà, autopilote désactivé. Là je tourne en finale piste 27. Voilà, bon, j'ai un peu overshooté. Volet approche, je m'aligne à la piste. Maintenant Arani Ali Shuya, bon c'est pas vraiment méchant puisque la piste 27 toi elle a fait à 3500 mètres, donc j'ai de la marge. Maintenant la vitesse d'approche d'Akum maintenant ça wesh. Voilà, maintenant en même temps je vais essayer de régler l'autopilote à 1500 pieds. Voilà, les commandes, non, je le trim un peu de gaz. Voilà, là. Voilà. Gaz au ralenti. Touché. Donc, maintenant, je remets les gaz. Où j'ai le chronomètre TA. Rotation. Maintenant, j'active l'autopilote et altitude. Volet rentré. Donc, on a avec 700 pieds minute. Donc, on a soit 500 pieds, soit la fin de la piste. Donc, on a 40 secondes. On a mazamel hak soit la fin de la piste. 500 pieds, top chrono. Je vire.
On a un cap nord. Voilà. Et le taux de virage, faut que ça soit constant, qui maintenant on est à presque 30 degrés. Cap nord. Je stabilise. Khali l'autopilote et l'année. On est à la fin de mes 40 secondes. Voilà, 40 secondes, je vire à droite de 90 degrés. Voilà. Avec un taux de virage constant. Voilà. Je stabilise. Et heading. Voilà, mon Serge Garassi, l'autopilote et de Brasso, il va stabiliser l'appareil. Donc, on a Eden Chouf. Voilà. Bon, c'est pas précis comme la NASA, mais c'est satisfaisant quand même. Donc, Maranish Bait, le tour Tay, il est correct. Mais c'est le premier là ou le deuxième là. Donc, 40 secondes, 40 secondes. Donc, Doka, wesh nsna, nsna l'haq. La fin de la piste, on accepte qu'on a cette fois 30 secondes. Voilà, l'appareil taille, il est stable, 1500 pieds. Capot 0,92, yani, on est en parallèle à la piste 27,09. Donc évidemment, il y a que nous devons, faut corriger la déviation terrestre. Faut faire avec. Donc maintenant, la fin de la piste, top chrono, 30 secondes. Et j'amorce ma descente vers 500 pieds. Voilà. Je désengage le heading. On s'en a. Le chrono TRT, il m'indique 30 secondes. Et je vire en étape de base. Voilà, 30 secondes, je vire. Donc, le taux de virage taille, il doit être constant. Bon, pas obligé 30 degrés, par exemple 25 ou la 20, l'essentiel, d'émettre le même taux de virage. Ah, ouais. Donc, cap sud, je stabilise. Voilà. Je désactive l'autopilote. La descente terrée, je fourraille la piste là, je réduis les gaz à des ralapas et je tourne final 27. Donc on a la vitesse libre de tenir, donc faut faire attention. Oh, j'ai overshooté bzef. Bon, malish. Volet approche. Donc les tours de piste, ils demandent une concentration. Un tour de piste 2 ou la 3, c'est 5-10 minutes. Il y a 5-10 minutes de concentration. Voilà. J'essaie de régler l'autopilote sur 1500. C'est bon. La calbark. Final piste 27. Bon, là je suis stable, vite fait, allez en pause, nous les voilà. Un atchoufo. Bon, question chabine, mais je suis chabine bzef, mais c'est constant. Le downwind, le base, chauffe mleh, la précision, t'as le base. Bon, on a le virage, t'es. Peut-être Bachendor, mais l'étape de base, elle est parfaite. Donc, c'est ça le plus important, c'est de faire des circuits constants. Donc, on a l'approche.
Bon, Ayan Zedo, un autre circuit pour le plaisir. Je suis allé voler. Puissance au ralenti et touché. Voler atterrissage, plutôt décollage et je mets les gaz. Rotation. Maintenant, j'active l'autopilote et altitude. Charouit la FIA. Je le règle à 700. Donc, pour les rentrer, nous jette le chronomètre TAE. On a soit 500 pieds, soit la fin de la piste. 500 pieds, top chrono. Je vire. Donc, on a 40 secondes. Je stabilise Cap Nord. Donc on a 40 secondes. Nous avons les 40 secondes de Tawai. On dort en vent arrière. Voilà, 40 secondes. Je vire. Stabilise Capest. Voilà, j'active le heading. Maintenant, l'appareil et de brasso, il va se stabiliser. Donc on a drop la winrani. Donc on est en vent arrière. Chauffeur, voilà. Donc à peu près c'est constant. Donc les tours de piste ouais, le vent arrière il est bon. Donc mché wahdana wahdana ou la wahdana ya wahdana. Bon, c'est pas qui manque comme on demande pas la précision à la NASA, mais en gros je suis précis. Donc la fin à la piste où on a cette fois c'est 30 secondes. Le chrono TAE, il est prêt. يعني فاش مليحة هذه العفسة تاع لو تايمينغ سي فريمون بريسي ما هوب 30 سكوند نحبط ا 500 بي فوالا ديزونغاج لو هيدينغ Voilà. On est sur les 30 secondes de TAE pour virer pour l'étape de base. Et le après l'étape de base, faut essayer de virer. Voilà, 30 secondes, je vire. Donc après l'étape de base, faut essayer de virer correctement le final. Je réduis les gaz. Mais je suis allé. هذه الخطره ثاني لا فيتاس دابروش تاعو ا بريس فيتاس دابروش كاب سود فوالا نضرب طلع وين راني ا بريس على لا بيست اي لا اوتو بيلوت ديزاكتيفي d'or en finale piste 27
corrige un peu l'assiette. Voilà, là c'est parfait. Donc, on est à 600 pieds. Volet approche. Voilà, là, je compense un peu avec la trim. La vitesse. En finale, piste 27. Donc cette fois, ça sera un arrêt complet. Voilà. Gaz au ralenti et touché. Voilà, full stop. Donc on le troisième tour taille. Voilà les tours de piste. Oui, bon, évidemment le qui fait chandor, c'est 500 pieds ou la vente à la piste. Bon, 500 pieds, ça dépend la performance au décollage, donc c'est pas un chic kiff kiff, mais le vent arrière, c'est constant au tenir. L'étape de base, c'est constant. Un hada ou le dernier virage t'es en finale. Bon, hada ça passe, hada ça passe, hada. Je suis à héros les 1 ou les 2 points. Hada. Mais en gros, les tours de piste t'es, peu importe, chabine ou la machine chabine, c'est pas le sujet. Ils sont constants. Donc, j'espère que j'ai été compréhensif. Et j'espère que j'ai bien expliqué. Ou les tours de piste, ça demande faut pratiquer, ça demande un peu d'entraînement, vers, je sais pas moi, une demi-heure, une ou deux journées et ça sera fait. Ou on a aussi comme si vous avez des questions ou des critiques, qu'elles soient bonnes ou la mauvaise, vous laissez des commentaires ou là vous essayez de me contacter. Alain Noir, c'est aucun souci. Et reste que juste que je vous souhaite bon courage et à la prochaine, Inch'Allah. Bye bye.